Ici le Cygne Noir, je vous dis bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Warsaw, un jeu, ma foi, fort sympathique que on va découvrir ensemble aujourd'hui et sur lequel on va probablement lancer une série. Comme vous avez pu le voir, hein, je vous ai mis la petite cinématique d'introduction. On va jouer dans la Pologne de 1944 lors de l'insurrection de Varsovie contre l'occupation allemande, quand le gouvernement libre de Pologne a assisté à l'invasion russe et qui se sont dit, si on veut réussir à rester plus ou moins indépendant entre les Russes et les Allemands, bah autant essayer de profiter de ce moment-là pour reprendre un petit peu la main. Donc on va jouer des membres de l'armée libre qui vont tenter de survivre. Le gameplay va être assez enfin, je le trouve personnellement assez intéressant. C'est un mix entre Darkest Dungeon et The Sword of Mine dans le concept. C'est-à-dire qu'on va devoir gérer nos ressources, le moral, le fait que bah, les Allemands, quand même, hein, ils sont un peu mieux équipés que nous, les Russes également. Et on va devoir tenir suffisamment longtemps pour les faire fuir, tout en tenant nos, enfin tout en combattant, explorant, soutenant les autres membres de la résistance, différents quartiers de la ville, etc. Donc c'est un RPG tactique, je l'ai noté comme ça. Donc on va pas être sur du tactical avec des cases placées où on va sur des hexagones, etc. On est plus sur un combat à la Darkest Dungeon, mais avec quand même plus de stratégie que simple, la simple entre guillemets, hein, ligne face à face avec vos 4 bonhommes d'un côté et les 4 bonhommes d'en face de l'autre, vous verrez ça. Il coûte actuellement 19,99€, il est dispo sur Steam et sur GOG. Il est en français, ce qui est assez notable. Bon, c'est un jeu purement solo et il ne supporte pas les manettes. Une fois de plus, un jeu où de toute façon ce serait pas forcément très intéressant. On va immédiatement débuter une nouvelle partie. Je vous bascule sur le jeu, c'est parti. Donc c'est frustre, hein. Il y a la cinématique de début, le choix de la langue et sinon... débuter une nouvelle partie, pas débuter une nouvelle partie. Donc il y a la petite partie tutoriel que j'ai faite pour tester. On va en démarrer une autre. On va skipper le tutoriel. On va se lancer dans une campagne avancée directement pour pouvoir choisir notre équipe. Je vous expliquerai le jeu. On va jouer en normal pour en tout cas cette première partie parce que le jeu est quand même déjà assez, assez poilu, n'est-ce pas? Sans faire de mauvais jeu de mots. Au début, on va pouvoir choisir nos personnages. Donc, dans le tutoriel, on a droit à... on a trois personnages qu'on découvre. C'est Casimirs, Christophe et Jadwiga. Donc, en gros, un type avec une mitrailleuse lourde. Christophe, qui est un ancien soldat avec un fusil, assez efficace avec son fusil. Et Jadwiga, qui est une infirmière de terrain. On va pouvoir emmener, bien sûr, plus de personnes sur le champ de bataille. On va pouvoir en débloquer d'autres au fur et à mesure de nos actions. Donc, on va avoir un système de personnages comme ça. Donc ceux-là, ceux qu'on voit ici, que l'on va pouvoir faire monter de niveau, qui vont avoir tout un tas de compétences, de capacités, etc. Et des personnages lambda, on va dire, que vous pourrez recruter si jamais vous avez des blessés pour remplir un peu les trous, et qui seront un peu moins efficaces, mais tout de même bien utiles. On va partir avec l'équipe de base, pour commencer. Celui-là est un mécanicien, j'ai jamais joué, j'ai débloqué juste à la fin de la partie tuto. Donc du coup on verra si on le débloque dans le jeu de nouveau. On est parti sur une campagne avancée en normal et on démarre avec l'équipe de base. Donc, comment va se présenter le jeu? Chaque jour vous aurez un résumé de, enfin même pas chaque jour, à la fin de chaque mission plutôt, parce que les missions peuvent durer plusieurs jours, vous allez avoir un résumé de l'insurrection. Donc là on voit qu'on est jour 2, on commence à la fin du tuto qui est jour 1, hein, le tuto qui consiste en gros à réussir à atteindre notre, notre QG de résistance planqué dans un sous-sol. On est le 2 août 1944, il s'est passé deux jours, enfin il s'est passé un jour pardon. Notre insurrection a un élan de 99,3. Donc l'élan de l'insurrection, c'est en gros le moral des différentes branches de l'insurrection. Il va chuter en permanence parce que on n'a pas suffisamment de ressources pour le maintenir. Donc on voit qu'ici, il nous faudra 2300 pour être à l'équilibre, on a 2285, ce qui fait qu'il a baissé de 0,7%. En effet, on a récupéré 60 ressources et on en a consommé 75, on est donc à moins 15 par jour de base, et c'est là-dessus que va se jouer le petit côté This War of Mine, qui va, il va falloir gérer en fait tout, tout cet équilibre.
On va avoir plusieurs quartiers ici à droite qui vont nous apporter des ressources de guerre, donc 10, 8, 10, 12, etc. par quartier selon leur importance. Et également des ressources pour nos personnages. Donc ici par exemple des munitions à courte portée, des provisions, des munitions d'armes lourdes, des munitions à longue portée. On voit ici donc le revenu qu'on a eu, hein, on a obtenu 14 provisions, une munition à armes lourdes, deux munitions à longue portée, trois munitions à courte portée. Tout ça va nous servir pendant nos missions, c'est-à-dire que quand on va utiliser une compétence de tir, que ce soit avec un fusil, avec une mitrailleuse, avec un lance-roquettes, avec un pistolet, eh ben il va falloir qu'on ait des munitions, il va falloir qu'on emmène des munitions avec nous en mission, et si on n'a plus de munitions, ben on peut plus se servir de nos flingues tout simplement. Donc il faut faire très attention à ces ressources. Ça ajoute un petit effet encore plus salé quand vous tirez sur quelqu'un et que bah, vous le ratez et que vous savez que vous venez de cramer 8 munitions pour que dalle. Mais franchement, c'est vraiment très sympathique. Les quartiers vont avoir un moral et une usure. À chaque fois qu'il y aura une mission que vous ne pouvez pas faire, que vous ne faites pas sur un quartier, ça va lui causer de l'usure qui va en échange diminuer sa capacité à vous fournir des productions et dans le pire des cas perdre du moral. Si il tombe à zéro, le quartier rend les armes et du coup il ne vous apporte plus rien. Et si vous perdez tous vos quartiers, ou qu'éventuellement vous les perdez pas tous, mais que vous perdez suffisamment de morale quitte à en regagner pour perdre votre élan, vous perdez la partie. On a récupéré 25% de nos PV, donc si on a des gens à l'infirmerie, c'est le score de base. Et on a un événement, cela n'a jamais été aussi amusant. Donc ça c'est la synthèse, hein, donc à la, quand on a nos petites synthèses à la fin des missions. Ensuite on va voir un événement, voir un peu ce que c'est. Alors, un des cadets des Swarzes de Régie a tué un soldat ennemi en constituant son légitime défense aujourd'hui. Curieusement, après l'état de choc initial, le jeune soldat m'a offert du plaisir à manier des armes en tout genre et a hâte de retourner sur le front. Ok, c'est un événement positif, on gagne plus 1 d'élan. Très bien, donc on passe à 100% du coup. Ah, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Hein. Et on peut passer au jour suivant. Jour 2. Donc là, il y a un effet très Histoire of Mine. Hein. Le nombre d'habitants dans Varsovie. Qui nous soutiennent en tout cas. Et nous voilà donc dans notre petit QG. Donc ça c'est le QG à la mode Darkest Donjon. On va avoir différents, alors pas des bâtiments, mais différents personnages qui vont nous permettre de faire différentes choses. Et on va pouvoir éventuellement les améliorer, leur donner des choses, etc. pour qu'ils soient plus efficaces. On a également nos personnages, ici on a par exemple notre petit soldat qu'on peut voir directement. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas de son, parce qu'il est coupé. Ça s'explique, je vous remets le son, voilà, j'avais dû le couper un moment, et pourquoi j'ai cliqué sur ça, excusez-moi, misclic. On recharge, voilà, donc on reprend. On a nos soldats qu'on peut voir avec leurs différentes compétences, on va regarder ça plus en détail. Donc on voit ici notre soldat, ici l'infirmière, et là la crapule avec son DP-28, sa mitrailleuse. On va avoir nos recruteurs. Donc les recruteurs, ils vous permettent de recruter les péons. Donc les péons, ce sont comme des soldats, vous pouvez les emmener comme tous les autres en bataille, sauf qu'ils n'ont que deux compétences et ils ne peuvent pas monter de niveau. Donc ça coûte 100 de provisions d'en recruter un. Donc vous avez vu qu'on a gagné 14 provisions hein, avec notre par jour là, donc ça peut vite coûter cher. Mais ça permet de remplir les trous quand nos soldats sont obligés de regagner de la vie, puisque vous verrez que les soldats ne regagnent pas de vie entre les missions. Il faut les foutre à l'infirmerie pour regagner de la vie, et bien sûr quand ils sont à l'infirmerie, bah ils font rien, tout simplement. Donc c'est bien utile, ça peut être assez cher, hein, bien sûr il faut éviter au maximum de prendre des dégâts, mais c'est quand même bien utile. Vous allez voir que le jeu est dur, hein. Les ennemis en face sont équivalents à nous, c'est-à-dire qu'ils ont autant de vie, ils font des dégâts relativement similaires, donc c'est assez compliqué. Il faut trouver les bons moyens de gérer nos ressources, de gérer nos PV. Lui on le verra à la fin, c'est celui qui donne les missions. Ici, on a un petit codex qui est plutôt sympathique, qui vous donne des informations sur tout ce que vous avez découvert dans le jeu. Ce qui est pas si mal, parce que comme pas mal de choses, alors soit sont des armes de la Première Guerre mondiale, donc après, soit vous êtes très doué et vous connaissez, enfin vous êtes spécialiste du genre et vous les connaissez, soit vous êtes pas trop au taquet et entre savoir que le CAR 98 c'est un fusil, que la DP-28 c'est une mitrailleuse lourde, enfin, un fusil mitrailleur, c'est pas forcément évident au premier abord. Vous avez une petite étoile pour vous dire les nouveautés, hein, donc on a découvert le Mother la dernière fois. Et ça c'est partagé entre vos parties, donc c'est assez sympathique. Vous pouvez voir les personnages que vous avez débloqués, triés par armes, triés par ennemis également. Pour l'instant on a principalement rencontré des Allemands, mais normalement il peut y avoir des Russes aussi.
Donc ça, c'est le petit codex qui est fort pratique. On va avoir l'infirmerie, où on peut mettre nos blessés pour qu'ils regagnent 25% de vie par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais bah, c'est pas tant que ça au final, hein. Vu que vous êtes parti en mission pendant plusieurs jours, vos gars vont être en gros remis, mais bah, pendant ce temps-là, vous les avez pas avec vous. Et je rappelle qu'on commence avec juste 3 péons, hein. Enfin, 3 péons. 3 personnages que vous pouvez faire évoluer. On a le classique petit prêtre qui tient la morgue. Et on a l'arsenal qui va nous permettre de voir tout ce qu'on a. Et éventuellement les choses qu'on pourrait faire. Donc, on peut avoir des armes en rab, pour l'instant on n'en a aucune, qu'on pourra équiper ou pas. Certains personnages peuvent équiper certaines armes, mais pas toutes. On peut troquer donc des provisions contre différentes choses. Par exemple, ici, on peut avoir des munitions courte portée, des munitions longue portée, des munitions lourdes qui sont les plus rares, des consommables à utiliser dans les missions comme des fusées éclairantes, des bandages, de quoi se camoufler, une boussole. Vous verrez que la manière d'avancer dans les missions est assez différente de Darkest Donjon. On peut se déplacer sur une carte, mais vous verrez ça. Et on peut trouver éventuellement des armes brisées pendant les missions, soit en récompense, soit en les récupérant sur les cadavres d'ennemis qu'on pourra réparer pour obtenir des armes un peu plus évoluées, avec un peu de chance, bien sûr. Et tout ça coûte de l'argent, hein. On voit troquer, on a 314 provisions, on achète une munition pour 4 provisions, ou on vend une munition pour 3 provisions. Donc ça peut vite, vite coûter, il faut faire attention à nos ressources. On a fait à peu près le tour. L'idée serait de partir dans une première mission pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va se préparer pour une nouvelle mission. Alors, on peut avoir des missions, on peut avoir des excursions ou on peut décider d'attendre. Attendre, ça peut être utile si jamais vous avez vraiment plus personne à envoyer en mission, vous attendez un jour, mais toutes les missions disponibles sont du coup considérées comme échouées et donc vous voyez les trois quartiers là obtiennent plus 1 d'usure. Sachant que si vous faites une mission, de toute façon, il y en aura au moins deux qui prendront de l'usure, puisque bah, vous pouvez faire qu'une seule mission. Les excursions ne seront pas toujours disponibles, c'est des espèces de missions bonus qui coûtent des provisions. Vous ne pouvez pas envoyer vos personnages, mais vous envoyez en gros des provisions à un quartier pour essayer de le renforcer. Au début, bien sûr, on n'a que des missions, donc là on voit hein, tous les quartiers de la ville, on voit qu'on a trois quartiers avec des missions, et on est parti, on sélectionne notre première mission. Alors ici, on est sur le quartier de Zoliborz. Il nous rapporte 8 par jour et des munitions de longue portée, c'est pas mal. Il faut qu'on s'empare de l'équipement allemand abandonné, ça va nous prendre 5 jours. En cas d'échec, le district prend 1 point d'usure, et si on gagne, on gagne une décoration qui permet de donner, je crois que c'est 300 XP bonus à un personnage. On gagne une arme lourde abîmée et 600 XP pour tous nos bonhommes. Simple, efficace. Le premier quartier, on n'a pas de mission. Le troisième, on n'a pas de mission. Le quatrième, on n'a pas de mission. Le cinquième, on a une mission. Donc celui-là nous rapporte 12 par jour. Et une munition d'armes lourdes. Peut-être à privilégier. Il faut participer à la résolution des différends entre civils. Alors c'est sympa parce qu'à chaque fois, il y a des petits bâtiments emblématiques du quartier. Cette mission dure 3 jours. On récupère un revolver, 500 d'XP seulement et une décoration. Et la dernière mission à Praga. Et ils nous fournissent des provisions, on récupère 700 XP, il faut ravitailler les groupes de résistants, on récupère également une arme lourde. On va peut-être partir là du coup, ravitailler les groupes de résistants. Alors j'ai très peu joué au jeu, hein, je le découvre, enfin j'ai joué pour découvrir le jeu pour pas être complètement paumé, mais je suis très loin de connaître tous les types de missions et tous les types d'événements. Donc on va découvrir ça ensemble, on va partir pour cette mission. Donc là on va retrouver tous les personnages qu'on veut emmener. Avant, je vous ai pas montré. Toc. Je vous ai pas montré du coup les personnages, comment ils fonctionnent. On va faire ça vite fait. Donc un personnage est constitué de PV, d'un petit portrait, ça c'est classique. Il a différentes statistiques. C'est pareil, ça reste relativement classique. Il a des traits, donc lui est très fort et il a pas mal d'endurance par exemple. Et on va pouvoir lui fournir des armes. Donc lui il est capable d'équiper le Kern 98K. Qui utilise des munitions à longue portée, qui est de type fusil, qui a deux compétences, le tir unique et la cible acquise. Donc là vous allez retrouver en bas à gauche hein, des symboles qui ressemblent un peu à ce qu'il y avait sur Darkest Donjon. A gauche c'est l'emplacement du personnage, à droite c'est l'emplacement qui peut attaquer. Donc vous voyez déjà contrairement à Darkest Donjon, il y a deux lignes. Il y a une ligne droite, une ligne gauche,
et il va y avoir tout un système de flanquement pendant les combats. Donc ça change un peu. Il nous faut une munition lourde, une munition longue portée pour l'utiliser, cette compétence. Et ça nous coûte un endurance, on verrait ça en combat. Il peut attaquer que l'arrière avec ça, et la zone est de 1. On a également la cible acquise, là il peut attaquer n'importe qui, la zone est aussi de 1, mais ça coûte 5 de munitions. Et il est équipé d'un Piat, qui est un lance-roquette léger anti-blindé. Hein. Celui-là va coûter 5 de munitions, mais est capable de faire une zone de 3 de dégâts. Bon, c'est un lance-roquette, donc on s'entend que ça fait plus de dégâts qu'un fusil, hein, bien sûr. Et le briseur de bouclier, plus efficace contre les cibles blindées et les cibles à armes lourdes, précision diminuée contre l'infanterie. Et également deux compétences, du coup, armes lourdes, de type armes lourdes, voilà. Et il pourrait éventuellement équiper un deuxième fusil, mais c'est Kismirtz qui l'a déjà. Ce qui nous amène du coup aux compétences. On ne peut emporter que 5 compétences en combat. En vrai 4, parce que la dernière compétence, c'est le corps à corps. Elle est toujours disponible et on peut pas l'enlever. Donc quand on veut plus de munitions, bah, vous y allez au couteau. Hein. Voilà, à l'ancienne. Et vous ne pouvez donc emporter que 4 compétences. Ce qui inclut toutes vos compétences d'armes et toutes les compétences spéciales que votre personnage a pu apprendre avec son expérience. Donc c'est assez réduit. Il faut vraiment bien choisir. Et en l'occurrence, là on a décampé, si c'est pas mal décampé, on fait des dégâts de zone, avec une bonne précision, perforation d'armure, et en plus on ignore la couverture, on va garder ça. Ça sera utile peut-être dans nos prochaines missions, mais les premières missions on voit pas trop de véhicules blindés ou d'armes lourdes, on va prendre les deux compétences du fusil. Ça me paraît pas mal pour un début, et on a la provocation qui augmente les chances d'être ciblé par des compétences de l'ennemi. Alors, ok, donc ça cible des obstacles, il faut qu'on cible des obstacles avec ça. Donc on voit que les cases à droite sont vertes. Donc en fait, en gros, on fait style, on est en train de travailler sur l'obstacle, et l'ennemi va avoir envie de nous taper dessus. Vous verrez qu'il y a des obstacles sur, pendant les combats qui apparaissent et qui permettent de se mettre en couverture. Et ici, notre expérience, on a une médaille disponible, mais bon, je pense que notre compétence la moins chère, là, elle est déjà prise. On va avoir des compétences qui sont spécifiques au personnage, donc qui doivent être équipées ou pas. Il y a des passifs, hein. Celui-là par exemple est un passif, sang froid pour 800 XP, augmente de 15% les chances d'esquive à chaque fois qu'on se fait toucher. Jusqu'à ce qu'on utilise une compétence, donc en gros jusqu'à notre début de notre tour quoi. Enfin, qu'on n'est pas obligé de jouer pendant notre tour, mais c'est quand même globalement ça. On peut augmenter de 25% les dégâts infligés aux cibles de la ligne de front, etc. Donc on a tout un tas de compétences. Tous nos personnages vont avoir des compétences différentes selon leur classe. Et des avantages, qui sont par contre les mêmes pour tout le monde, et que vous allez pouvoir choisir. Donc ici par exemple, 20% de résistance à l'aveuglement, ou 3% de chance de coup critique, 25% de résistance à brûlure, etc. etc. Et bien sûr, l'expérience que vous gagnez va devoir être partagée entre tout ça. Donc vous avez pu voir la mission qu'on va prendre va nous faire 700 d'expérience. Ce qui est à peine assez pour prendre une compétence ici, mais comme de toute façon on peut en occuper 4, hein, voilà. Et qui va nous permettre de prendre éventuellement quelques trucs ici, mais pas non plus dingue quoi. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent les personnages. Ils sont tous comme ça, hein. Donc lui par exemple a déjà deux compétences de base. Il a équipé ses deux compétences de fusil, donc on va lui laisser ça. De fusil d'assaut, pardon, fusil mitrailleur. Il a des munitions de contrebande qu'il peut donner à des alliés ou à lui-même pour augmenter les chances de mettre du saignement et de la brûlure. Et il a la suppression. Cible les unités d'infanterie, applique l'effet suppression, déplace un ennemi sur une autre ligne et ça empêche un ennemi d'être activé. Ça peut être bien utile. Et notre infirmière, elle, de son côté, est équipée d'un petit pistolet Nagant lambda. Donc on a les deux compétences. Par contre, elle, il lui manque un slot. Elle a un premier soin ici. Est-ce que, en utilisant notre médaille, on pourrait lui débloquer un truc intéressant? Non. Ça donne 300 XP, la médaille. Mais la première compétence qu'elle a, c'est à 600 comme les autres. Ou alors on lui met un résistance à l'aveuglement, mais dans le contexte, c'est pas très utile. Donc on va partir avec 3 compétences pour elle. C'est parti. On a dit qu'on choisissait notre mission, on a dit qu'on allait a priori plutôt là. C'est ça, et on se déploie.
en avant. Hop, hop, hop. Alors, ici, vous avez votre équipe déployée. Ça, c'est la formation de combat. Donc, comme je vous le disais, comme vous avez pu le déduire, il y a deux lignes de combat. Et on va pouvoir les mettre où on veut. Voilà, par exemple, lui ici, lui là, et elle là, par exemple. Bien sûr, il faut faire ça en fonction de leurs compétences. Hein. Lui est plus efficace à l'arrière, vu que sa cible acquise ne peut être utilisée que tout à l'arrière, de même que décampée. Donc ça vous l'indique là, un peu comme dans Darkest Donjon. Hein. Et elle est plus efficace à l'avant, mais en vrai, son premier soin peut se faire de n'importe où, donc en fait c'est juste que le tir répulsif ici peut être utilisé qu'à l'avant. Est-ce que c'est une bonne idée de la mettre devant? Pas forcément. On va la mettre derrière là, on va garder lui avec son fusil à l'arrière pour sniper un peu. Lui devrait être plutôt quand même vers l'arrière aussi au final. Hein. Au moins en deuxième case. Mais il pourra pas utiliser son fauchage. 10% de dégâts au moins à chaque cible suivante, c'est parfois la ténacité de la cible. Ok. Donc ça c'est son attaque, petite attaque de zone. On va le mettre là, et on va mettre elle derrière pour le protéger un petit peu. Au niveau des munitions, ça c'est notre inventaire, c'est tout ce qu'on emmène. Si on trouve des trucs sur le champ de bataille et que notre inventaire est plein, bah on l'a dans l'os. Étant donné que elle c'est la seule qui va utiliser des munitions de courte portée, que ça coûte 5 et 2, à mon avis on va enlever tout ça. Alors il y avait un moyen... Là c'est un par un, si on fait comme ça, ok, on va en prendre 50. Je vais y arriver. Bon, environ, voilà, 54, très bien. On a la possibilité de prendre des consommables, on peut prendre du camouflage. Si on attaque, on fait une embuscade. Ouais, ok. Un peu de soin, alors normalement elle va pouvoir faire le taf. Les points d'intérêt et la boussole. On va prendre les boussoles avec nous. Là c'est pareil, c'est peut-être un petit peu abusé de prendre autant de munitions lourdes. 5 remarques, non, hein, 25 ça fait que 5 attaques, ça peut vite partir. Et lui. Alors les péons peuvent être toujours utiles à tous les rôles. Là vous voyez, hein, il peut être placé n'importe où, attaquer n'importe où, et être placé n'importe où, attaquer n'importe où, puisque ils ont que cette compétence là, on peut pas en avoir d'autres, et on les emmène pour renforcer le reste de l'armée, donc du coup ils peuvent être utiles n'importe où. Lui il a une compétence pour mettre une barricade, c'est pas mal, on va le prendre je pense, on va le mettre devant là, on va partir avec tout le monde, et c'est parti, on commence la mission. Alors, comment ça se passe une mission? Voilà, ça se passe comme ça. Vous êtes sur la carte de la ville. Vous avez des flèches qui vous disent il y a des objectifs. Voilà, on sait qu'il y a des objectifs au niveau des différentes flèches. Et on va se déplacer sur la carte. À chaque fois qu'on se déplace, on va découvrir ce qui se passe. On va consommer des points d'action également. On sait qu'il y a 8 batailles, 6 événements, 3 butins. Ça, c'est toutes les rencontres possibles sur la carte. Et l'objectif, enfin l'objectif, c'est pas vraiment un objectif, mais la nécessité, c'est qu'il faut réussir cet objectif-là avant d'être arrivé à 0 de points d'action. Sinon, vous avez perdu. Donc là, on a notre première mission, nickel, c'était juste à côté de nous. On est parti, on ravitaille. Votre livraison est un succès, mais il en reste d'autres. Très bien, donc celui-là, c'est fait. Je pense que les flèches jaunes, là, c'est nos quêtes. On va se déplacer, ok parfait, on a un autre ravitaillement. Donc on peut tout à fait faire une mission en évitant absolument tous les combats. Mais bien sûr, c'est quand même intéressant de faire un... Ok, là il y a un truc qui déconne avec cette flèche. Bon, c'est pas grave. Ah ici il y a des ennemis. Pour l'instant ils nous voient pas. On va essayer de les choper, ils sont juste au croisement. Hop là. On les attrape.
Alors, on est dans un bâtiment. Donc voilà comment vont se présenter les combats. Donc là, vous reconnaissez un peu le concept de Darkest Donjon. Hein. Sauf qu'on est sur deux lignes, comme vous pouvez le voir. Et on a en haut des points d'activation. De base, on a un point d'activation par personnage. Alors, je pense qu'il va y avoir des technologies ou des trucs qui vont nous permettre de faire mieux après. Mais en gros, on a 4 bonhommes. On a donc 4 points d'activation. Mais ça va pas nous empêcher d'activer plusieurs fois le même personnage. Ça coûte un point d'activation d'activer un personnage, mais on peut le faire plusieurs fois dans un tour. Ce que ça va nous coûter, c'est des points d'endurance. Ici, vous voyez que en dessous de la jauge de PV, on a 3 points d'endurance. Tous les personnages commencent avec 3 points d'endurance. Et la plupart des compétences vont utiliser 1 endurance. C'était ce qu'on voyait, le coût qu'on voyait à chaque fois. Là. À chaque tour, vous regagnez un point d'endurance. Et c'est là-dessus qu'il va falloir jouer pour, si vous activez plusieurs fois le même personnage parce que vous en avez absolument besoin, et ben du coup, vous consommez des points d'endurance, vous n'en regagnez qu'un seul à chaque tour, et à partir du moment où il n'y a plus de points d'endurance, le personnage ne peut plus agir, il est obligé d'attendre de se reposer le tour d'après. C'est relativement classique, on va dire. Je pense que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une barricade. On a déjà un lance-flamme en face. J'ai envie de dire que c'est presque pas de bol. On a un officier également qui va essayer de buffer les ennemis. Et ça, c'est un soldat de base, a priori. Donc à tout moment, on peut aller voir le codex. Hein. Non, ça c'est les personnages, les ennemis. Ah, c'est pas un soldat de base. Ah, il a un lance-grenade. Ok, le Schießbecher. C'est un lance-grenade, très bien, donc il a moyen de faire un petit truc de brûlure, 100% de chance de faire de la brûlure. Repousse l'ennemi d'une case s'il est touché. Ok, donc on est quand même sur des ennemis un petit peu fumiers là. Là on voit qu'on peut pas utiliser le fauchage parce qu'on n'est pas bien placé, par contre on pourrait utiliser le mode automatique ou les munitions de contrebande, ça peut être pas mal. Alors oui, à chaque fois pendant vos combats aussi, vous aurez deux objectifs optionnels. Si vous les faites, vous aurez plus d'XP à la fin du combat. Donc là, il faudrait qu'on tue deux ennemis au cours d'un tour. Et là, il faut qu'on tue un ennemi affecté par au moins un effet négatif. Et là, j'avoue que j'hésite à poser une petite munition de contrebande pour pouvoir faire plus de dégâts. Ou alors une feinte. Pour désactiver genre le lance-flamme là, le lance-flamme c'est quand même une belle saloperie. Mais on va commencer déjà par poser une barricade. Donc lui il est là, lui il est là, ok, donc on veut la barricade ici. C'est parti, on met une petite barricade. Ça va nous permettre de nous protéger. Donc à chaque fois qu'on joue, l'ennemi joue. Là il a mis un ralliement sur son pote qui fait qu'il augmente de 40% sa tenacité. Donc la tenacité c'est une réduction de dégâts, basiquement. Donc lui, il faudrait qu'on évite de l'attaquer du coup. Alors, on aurait la possibilité d'attaquer ces deux cases là, ce qui est pas hyper intéressant. On a la possibilité d'attaquer les cases sur l'autre ligne. Vous voyez que c'est indiqué flanquement sur l'officier là. Si vous attaquez une case, qui est sur la ligne, pas sur la même ligne que vous, vous avez un bonus de flanquement de 10%. C'est pour ça que je vous disais, le placement peut être très très intéressant et très très important. J'ai bien envie de supprimer celui-là quand même. Alors ça nous coûte un point d'activation pour qu'il ne joue pas. En plus ça le déplace. Donc là il a balancé une grenade sur notre soigneuse, ça commence bien. Putain, ça fait en plus hyper mal. Alors lui non, il a toujours sa ténacité. On pourrait faire un peu mal à cela. Avec notre petit lance-roquette. Donc comme je vous le disais, en général on rencontre pas d'armes lourdes direct, mais bah pas de bol, on en a rencontré un direct, mais on aura fait hyper mal là, donc c'est assez intéressant. Et toi, alors du coup on peut plus donner de bonus à elle, on peut donner des bonus à ces deux là. Sinon on peut donner du bonus à la barricade et à lui-même. On va donner du bonus à ces deux là. Ok, il nous attaque, le chien, il nous rate, on est derrière notre petite barricade, ça réduit un peu nos dégâts. Tour 2, donc elle a déjà souffert. Alors sachant que les points de vie que vous perdez,
Ça reste à la fin à la fin de la mission. Vous pouvez vous soigner, là par exemple on va se soigner un petit coup, avec un premier soin. Mais ça ne vous soigne que pour la durée de la mission. En vrai, le minimum de PV que vous avez est gardé quoi. C'est le minimum de PV que vous avez. Qu'est-ce qu'il a fait? 20% de ténacité, résistance à la suppression, ok. Alors là... On n'est pas capable malheureusement de toucher ces deux-là. Là, le décamper, ça permettrait de réussir l'objectif. Donc on va le faire. On tue les deux. Et hop. Donc vous voyez que ça leur fait perdre des points d'activation direct. On a réussi les deux objectifs d'un coup, c'est pas plus mal. Là par contre, il va falloir qu'on commence à s'occuper d'eux. Donc toi, tu touches deux zones avec ça. Ça coûte 3 de munitions. S'occuper du petit péon, là, ça me paraît pas mal. La petite flèche, là, indique qu'on était en train de flanquer. Donc lui, il a plus un seul point d'action, par contre. Et là, on est obligé d'attaquer le chien. Et on se rate. Parfait. Tour 3. Ils ont plus que 2 points d'action, on en a 4. Je pense qu'on va essayer de se focus sur lui. Ça me paraît quand même plutôt un bon plan. On a du bol, hein, enfin on a du bol. La barricade nous aide bien là-dessus. On va repasser au fusil. 95 de précision, utiliser 5 de munitions pour ça, ça me paraît pas nécessaire. On va lui faire entre 18 et 25 de dégâts si on le touche. Ok, on le touche, c'est parfait. On a pas mal consommé ses points d'action à lui. Hein. Ça coûte combien ça? 5 de munitions. Putain, ça pique. Alors on peut toujours faire un petit coup de couteau. Hein. D'ailleurs on peut le faire sur toute la map, j'avais même pas fait gaffe. Mais bon, voilà. Le dégât, 1-3 de dégâts quoi. Toi cela dit, t'as quand même pas mal de points d'action. Tu pourrais le finir. Hein. 83%, 10, 11 de flanquement. Le coup critique, on l'abat. Parfait, il reste plus que le chien. Qui peut être chiant, mais qui est quand même gérable. Hein. Il nous reste un point d'action. On va réutiliser lui. Bon, par contre, forcément, les chiens, ils ont pas mal d'esquives. Ça, c'est dans tous les jeux. Alors, toi, ma chère. Ah, tu peux attaquer que l'arrière avec ça. C'est un problème. Ah, il en a que 58% de précision, là. Là, on peut attaquer que l'arrière, et avec ça, 50% de précision. Ça va être compliqué. Il a 53%. Ah ouais, non, mais il a carrément... Chien allemand, 25% d'esquive. Bon, bon, on va prendre celui qui a le plus de chances de toucher. Et en même temps qu'il consomme le moins de munitions, ça tombe bien. Heureusement, il a du mal à nous toucher aussi. Ouh, le coup critique qui fait plaisir. Bien joué, mec. Ok, on gagne 82 d'XP grâce à notre victoire. On a tué deux ennemis. C'était un objectif, on a plus 20. Et encore plus 20. Nickel. Donc, vous voyez, hein, les ennemis, c'était direct 4. On prend tout. Si ça avait été comment? Si on avait été que 3, ça pouvait aller vite. Hein. Et on voit qu'elle, déjà, elle a pris une blessure. Donc ça, on pourra pas le récupérer. Il faudra qu'elle se soigne ou qu'elle reparte en mission avec, avec sa blessure. On va, je pense, vu qu'on en a prise, activer une petite boussole. Ça va nous permettre de consommer nos points plus lentement. Des fois que cet objectif de quête soit vraiment buggé. Ah non, mais c'est juste qu'on l'avait pas vu. On va avoir une chance de le découvrir et on l'avait pas vu. Ok, il en reste d'autres. C'est plutôt par là-bas du coup. On retraverse la place. Donc il y a des événements un peu partout. Hein. Vous voyez là, le jaune nous guide vers notre objectif de quête, mais on pourrait complètement fouiller l'intégralité de la ville si on voulait. Ça dépend de notre niveau de fatigue, d'où on en est, etc. Notre boussole a arrêté d'agir. Alors là, il y a deux points. Ici, un combat. Et là, un butin. On va aller chercher le butin.
trouver le corps d'un membre de l'insurrection. Il ne faudrait pas laisser traîner son équipement. On est d'accord. Et on trouve un truc qui nous permettrait une embuscade du coup. Si on attaque en étant invisible... Ok, en haut on a un petit pourcentage là. Ça diminue vite quand même. Hein. Donc là ils sont à l'affût, mais on va les choper quand même en embuscade. Par contre le camouflage a bugué. C'est pas grave. Donc du coup, voilà, ils ont perdu un point d'activation, l'embuscade. C'est pas ouf. On a un grenadier, on a un tireur, on a un grenadier et on a un Jäger. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a débloqué? Des armes, rien, des ennemis, on a débloqué le Jäger. Donc c'est l'infanterie légère. Des tirs de précision, ok. Tir précis, 12 à 28 de dégâts, ça pique les fesses. Ou alors, se mettre à l'abri, cible une case derrière un obstacle, n'importe quelle case. Et il peut se cacher derrière un truc et il obtient une chance d'infliger des saignements. D'accord, ils ont un obstacle malheureusement. Et les grenadiers, bah les grenadiers, on les connaît, enfin je les connais. Ils balancent de la grenade, donc 3 de zone, hein, ça pique un peu, mais heureusement la précision est pourrie. On va commencer par une barricade. Direct. Alors, nos objectifs, je vais même pas regarder. Aïe. On doit pas perdre plus de 40 PV. Et on doit pas utiliser plus de 16 de munitions d'armes lourdes. Ok, donc les PV, cet objectif là, il compte avec les soins. Donc là on a perdu 18, si on remonte au sud, si on la soigne de plus de 18, le malus disparaît tout simplement. Là on pourrait commencer à endommager cela avec son attaque de zone. Sauf si on se rate. Ok, la grenade qui pique les fesses. On ne doit pas utiliser trop d'armes lourdes, mais quand même, je pense qu'on peut s'en permettre une petite histoire de diminuer un peu le DPS là. Donc là, ils ont perdu un point d'action alors qu'il en restait un seul, donc ils ont plus de points d'action. On va en profiter pour un petit soin. Et voilà, on va remonter à 0 sur 40, vous voyez. Alors, je me demande du coup, ça vaudrait pas le coup de tenter un petit snipe à l'arrière. Là, on est en flanquement, on fait quand même 12-20 de dégâts. C'est pas mal. Ça permet d'économiser un petit peu les points d'action des autres. Ouais, parce que ça coûte 2 d'endurance hein, le tir. On va profiter qu'ils sont à l'arrière. Hop, on essaie de l'allumer. Lui aussi il a son tir précis, hein. Logique. Et toi, ouvrir le feu. Ouais. Toi. Peut-être que des munitions ça pourrait être pas mal, ou une feinte. Pour empêcher le mec de nous balancer de la grenade. Oh! Ça pique. Bon, je crois que c'est sur la barricade qu'il a fait un coup critique, donc ça va. Maintenant on peut faire un petit attaque de flanc sur celui-là, puisqu'on l'a bougé, et ça c'est parfait. On a perdu 27 PV, on a utilisé 5 munitions d'armes lourdes, ça reste relativement intéressant. Là on utiliserait 5 de munitions. L'avantage de ça c'est que ça ignore la couverture, mais on n'a pas vraiment besoin en vrai. On va essayer de nettoyer celui-là. Belle qui rate, parfait. Toi, utilise un petit tir à 75% on rate, dommage. Ouf, putain, il prend un peu cher notre étudiant là. Il ne reste plus de points. On va mettre les munitions de contrebande. Ça lui va pouvoir attaquer. Tenter de mettre un petit malus. Ah, il a résisté au saignement, pas de chance. Il a combien de chances de résister? 25% de chance. Ouais. Bon, bah, c'est comme ça.
Du coup, une petite brûlure peut-être. Ouais, voilà, parfait. Ah, il a plus de balles qui touchent. Il nous a supprimé. Bon, il lui reste 2 PV, ça dure encore un tour, ça. Donc il va crever, même si... Remarque, il s'est rapproché de son pote, donc là on peut faire un double tir. Qui rate, bien sûr. Mais au moins on lui met du saignement à celui-là. Il nous a raté. Et ça met de la suppression, sa pluie de balles, hein, donc c'est quand même un peu chiant. Ici on peut plus le toucher. Ici on peut plus toucher. Donc il n'y a plus que lui en fait qui peut toucher, mais il a plus de points. On va être obligé d'utiliser une cible acquise. Mais les chances de toucher sont quand même assez mauvaises, 74%. Oh mais ça passe. Nickel. Ça c'est parfait. Du coup, un petit coup de couteau. Non, lui la suppression. Un petit coup de couteau. Voilà. Ça l'a rapproché. Je sais pas si c'était bien utile. Ah, il prend la brûlure. Nickel. On a des petits bonus qui tombent. Voilà, ça pique, hein. C'est un combat qu'on aurait pu éviter. On voit que ça coûte quand même assez cher. Hein. On a récupéré pas mal de choses. Mais on n'a plus de place. On n'a plus de place, le camouflage... ouais... Ça reste pas hyper utile, hein, on a vu. C'est cool, mais c'est pas non plus dingue. On va prendre une boussole. Et on va essayer de trouver l'objectif de quête. Il est là. Ah, y a des ennemis là. Ils sont à l'affût, mais leur œil est fermé, ce qui veut dire que pour l'instant ils nous voient pas et ils savent pas qu'on est là. On va essayer de les contourner. Il nous reste éventuellement deux butins à trouver sur la carte, mais c'est pas forcément utile. Alors là, l'événement est là et par ici, merde. C'était des combattants, ils nous ont repérés. Alors ça, je connais pas ça. Allemand, infanterie d'élite. Putain la vache, on a un lance-flamme et un mec d'infanterie d'élite. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie? Membre d'unité pénale SS. Ah ouais, un mec sympa. Ces soldats sont réunis à différentes nationalités armées pour des opérations anti-intuition. Ok, donc du bon gros fumier. Saignement. Ok, il peut mettre du saignement sur deux lignes. Et là, 105% de précision. Waouh. Ça pique. Si on arrivait à l'envoyer tout à l'arrière, il serait inutile. Mais je crois pas qu'on ait grand chose qui permette de repousser. On peut attirer l'ennemi. Non, on pourrait reculer l'ennemi, mais il faudrait qu'on se déplace. On pourrait aller là. Oh, bah oui, mais bravo, mais parfait. Aide-nous. Aide-nous. On le repousse. Ok, la grenade qui fait plaisir. Ici, on est capable de caler un mode automatique? Non. Enfin, quoique. Alors lui, il a fait quoi? Il s'est installé, donc il a résistance à la suppression, résistance à la tenacité. Lui, il a que 50 PV, on a 97% de chance de le toucher. En flanquement, on prend. Il est obligé de se rapprocher, lui, hein. Par contre, du coup, on a cramé pas mal de points, là, donc on va devoir se calmer un peu, mais on va le diminuer un peu quand même. Raté. 76% de chance de toucher, il se défend bien en plus, le con. Ah, on doit infliger 110 de dégâts au cours d'un tour. Alors, je suis pas sûr qu'on va le faire, ça. Enfin, on pourrait tenter avec ça. Mais non, ouais, même avec ça, on fait que 56, quoi. 110 de dégâts, je pense qu'on pourra pas. Ok, elle résiste à la suppression, c'est pas mal. Là malheureusement ils sont trop éloignés. Alors on pourrait essayer de reculer celui-là. Pour ensuite leur mettre un double tir. Vas-y toi, cale-nous un ouvrez le feu. Bon, c'est relatif les dégâts hein, mais ça joue. Petit à petit. Ah! Voilà, là le lance-flamme rentrant en jeu, là, ça va plus être la même. T'as plus assez de points d'action pour ça.
toi tu peux rien faire là, donc c'est de nouveau à toi de jouer mec. Dommage on le rate. On n'est pas loin, 91. Ah oui d'accord, il en fait deux fois de suite. Ouais, va falloir qu'on commence à soigner un peu là. Bon, les barricades prennent des dégâts, mais elles sont là pour ça. On va mettre un peu de soin. Et là, ils commencent doucement à nous faire chier. Donc, on va se débarrasser d'eux à coup de lance-roquette, parce que pourquoi pas. Donc, toi, tu peux plus rien faire sur lui, tu peux lui mettre une feinte. Ça c'est parfait. En plus du coup il se déplace là. Et donc toi c'est parti. Défonce-le. Tour 4. Redéfonce-le. Et à nous tirer dessus ou nous balancer une grenade. Non, il nous a mis la suppression. Par contre il s'est rapproché. Oui j'allais dire lui pourrait le toucher mais non, son attaque attaque long, on pourrait attaquer avec ça. Ok, on peut le finir, parfait. Donc on n'a pas eu l'autre objectif mais ouais non c'était un peu tendu là, 110 de dégâts c'est quand même beaucoup pour la première mission. Ok, il faut qu'on aille chercher le loot, normalement eux devraient pas nous voir. On prend tout ce qu'on peut, on va laisser la tenue de camouflage derrière. Et on va aller chercher l'événement. Hop, on ravitaille le groupe de résistants. Et donc à partir du moment où on a terminé, on peut partir ou on peut continuer, hein, comme dans la plupart de ce genre de jeu. On va essayer de voir si cet événement-là, ce sera un combat ou pas. On n'a plus de camouflage, hein. Non. C'est un combat, donc on va se barrer. On a suffisamment combattu pour cette fois, on a déjà 3 blessures à gérer. Mais c'était rentable, on a récupéré pas mal d'objets. On revient avec beaucoup de missions de courte portée. On a notre arme lourde à réparer, 52 provisions, on retourne au repère. Et on va arrêter là ce premier épisode. On fera la synthèse lors du prochain parce qu'il est déjà suffisamment long. J'espère en tout cas que ce premier aperçu de Warsaw vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.